Quoi que vous ayez vécu ou vivez actuellement, vous devez croire en quelque chose. Peu importe que vous l'appeliez destin, karma, hasard ou autre, il est nécessaire que vous considériez qu'il y a un chemin qui vous attend. Écoutez et faites confiance en votre cœur, il saura vous donner la direction à prendre. Votre temps sur cette terre est limité, ne le gâchez pas en enviant ou en vivant à travers la vie de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez faire ou penser. N'acceptez pas que le jugement des autres crée doute et crainte en vous. Vous devez trouver ce qui vous anime, ce qui vous met en énergie dans tous les domaines de votre vie. Amour, travail, amitié, peu importe, faites en sorte que votre vie ait un sens pour vous, mais également pour les gens qui vous entourent. Si cela n'est pas le cas, cherchez et ne vous arrêtez pas tant que vous n'aurez pas trouvé ce qui compte réellement pour vous. Ayez le courage de suivre votre cœur, vos intuitions, ils savent déjà d'une manière ou d'une autre ce que vous voulez réellement devenir. Même si vous rencontrez des difficultés, n'abandonnez pas comme la majorité des gens le feraient. Les obstacles qui se mettent sur notre route sont là pour nous faire progresser, nous remettre en question et en définitive, grandir. Il faut du courage pour agir, nous avons généralement peur de nous tromper, de souffrir, d'être jugé par les autres ou tout simplement de ne pas être capable d'accomplir nos rêves ou nos buts. La peur n'est pourtant qu'une représentation mentale qu'il faut savoir écouter tout en lui donnant moins d'importance. Pour cela, agissez, faites que chaque journée soit impactante. Ne reportez pas à demain ou à la semaine prochaine ou quand sais-je tout ce que vous souhaitez accomplir. Vous le voulez? Alors faites-le. Cela ne sera peut-être pas facile, tout changement rencontre des résistances, mais vous avez la capacité en vous de faire ce que votre cœur vous dit de faire. N'écoutez pas toutes les petites voix intérieures qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Acceptez où vous en êtes aujourd'hui et prenez le chemin qui s'ouvre à vous. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Vivez votre vie avec passion, avec amour, avec gratitude. L'histoire se lit, mais elle s'écrit également. Peu importe donc votre passé, il fait de vous qui vous êtes aujourd'hui, mais en aucun cas qui vous serez demain. Ce qui importe maintenant, c'est ce que vous allez faire. Alors, ayez foi en vous.